الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, l'eau de nous qui nous prend la dernière fois, quand on peut dire de nous, en d'autres mots, comment nous fait de nous introduction, chaque nom Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que Allah subhanahu wa ta'ala a sa qualité là dans lui, veut dire lui Allah subhanahu wa ta'ala sa qualité. Depuis ce bon qualité, nous gagnons ce bon nom. Et la dernière fois, nous tivons le nom Al-Hasib et qu'Al-Hasib. Al-Hasib, chers frères et sœurs, comment nous dire que nous gagnons ce nom-là, les trois lettres qui ont fini sorti, Hasaba, qui parmi ce bon signification veut dire suffit. En d'autres mots, qu'un kiken peut dire Hasbi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit pour moi. Nous te disons que quand quelqu'un servit ça, nous là, en d'autres mots, après, il n'y a pas pour besoin de personne. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, il finit servir ça, chers frères et sœurs. Même Jibril alayhi salam, il vient avec lui, il finit continuer à maintenir. Hasbi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, suffit pour moi. Oui, chers frères et sœurs, Hasb aussi nous servit lui, qui veut dire compter. Al-Hasib veut dire un kiken qui comptait. Et comment nous, qu'en fait, quand nous guettons, Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous peut dire compter l'eau qui est venue, c'est l'eau, ce point-là qui, semaine passée, nous t'y arrêté. En deux mots, comme on connaît, parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hasib. Parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hasib. Nous t'y disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans Surah Zumar, ayat 36, alayhi allahu bikafina abda. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas suffit pour son serviteur? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas suffit pour son serviteur? L'exemple qu'il nous a donné, chers frères et sœurs, c'est ses enfants-là, avec son maman. En d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre pitié dans les qui est sa maman-là, qui sa maman-là reste avec ses enfants-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre nourriture ses enfants-là avec sa maman-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait les bras sa maman là, vin, lili sa enfant là, et comme ça même l'état nous guetté, tout sa bande caractéristique qui est dans une maman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fin mettre ça dans lui. En d'autres mots, depuis nous petits, Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour nous, chers frères et sœurs. Nous grandis avec ça dans nous l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour nous. Nous continuons, chers frères et sœurs. Al-Hasib veut dire un kiken qui nous amène l'île au compte, qui nous peut redire pour ça, comme on connaît mon rab, parmi ce banon, c'est Al-Hasib veut dire le compte. De là, nous dit, chers frères et sœurs, comment il fait nous connaître dans Surah Jin, ayat 28, wa ahsa kulla shay'in adada. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il compte tout quelque chose. Tout quelque chose, Allah compte. Pour nous, il y a quelque chose qui. Nous ne sommes pas trouver dans l'importance. Mais seulement si nous posons une question, combien de pieds il y a plein de champagne? Une question pour vous poser ça. Pour nous, les bêtes, nous ne trouver pas important pour qu'on demande quelque chose comme ça. Mais pour le Créateur, jusqu'à ça aussi, il n'y a pas quitté. Wa ahsa kulla shay'in. Tout quelque chose. Radada. Tout le nombre qu'il connaît. Ça, comme on dit, nous, Al-Hasib Astir. Nous ne pouvons pas prendre l'île Al-Hasib, c'est lui qui suffit pour nous. Al-Hasib, c'est lui qui comptait. Veut dire, il pour passe tout au pain fin. Chers frères et sœurs, si nous prenons l'île bien, si nous mettons la main dans la tête, nous essayons de risser,
Comme c'est vrai, mon gars, ça ne quitte pas pour demander ça. Mais si pour moi, il n'est pas important, il a la le moindre détail. Il connaît tout bonne quelque chose. Ce nom qui est dans l'eau salatée là. Ça, c'est Allah. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, quand nous peut dire, Al-Hasib, chers frères et sœurs, qu'on est peine à n'en excepté qui s'arrobe là, fin mettre par un nombre. Il connaît combien de quantité est dans là-dedans. Il connaît li Allah subhanahu wa ta'ala qui quantité est dans là-dedans. Zis pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans surah Maryam, ayat 93-94, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abada. Tout quelque chose qui est dans le bas de l'échelle de la terre, je pourrais tourner Allah comme un serviteur. Laqad ahsahum wa addahum adda. Et certainement, il compte tout quelque chose. Et certainement, li Allah, il compte tout quelque chose. Chers frères et sœurs, si nous prenons ça, Maurice là, quand nous peut dire, nous pouvons faire une statistique, nous pouvons guetter la population combien il est arrivé. L'état bas, il a peut prendre ça, si mais là, il arrive en bas, dans l'autre semaine, l'état vini, combien fini mot, combien fini prendre naissance là. Juste dans ce là. Si il prend la rue royale, il monte, il prend le scarcot béaté, combien fini mot, combien fini prendre naissance là. Quand nous guetter dans sa population, Maurice là, nous l'avons en l'île. Nous vous trouvez bien approximativement, nous vous dire il arrive tant population. Le N point le map le monde nous va pas rester dans un chiffre, mais si nous compte combien de monde dans la Russie. Si dit nous al compter combien de monde est dans l'Afrique. Quand nous vous besoin prendre des airs aller nous trouver un village au milieu des airs. Est-ce que nous connaît le nombre? Mais c'est maintenant qui connaît qu'on le nombre chef frère. Être sûr et nan qui connaît le nombre, c'est Al-Hasib. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et il met l'éclair. Laqad ahsahum. Certainement, il fin compte de tout. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fin compte que tout insan qui est là. L'eau la terre, c'est lui qui pensait, il y a en bas la mer, il y avait déjà le sous-marin, c'est lui qui est dans l'air. Mais le nombre qui tu étais, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Chers frères et sœurs, quand nous connaissons Al-Hasib, veut dire ben quelque chose, nous dit bien, pour nous, nous ne trouver l'importance. Il n'y a aucune importance. Combien de pieds, non? Nous pouvons venir un petit guide, mais concernant le nombre d'insans, Al-Hasib connaît. Mais il vient plus encore. Quand nous guettons dans Surah Al-Anbiya, ayat 47, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa nadarul mawazina bil qist li yawm il qiyama, fala tuzlamu nafsun shay'a. » Prends-le bien sûr. Chers frères et sœurs, moi, j'ai un petit compagnon. Moi, j'ai pondé trois petites choses, je vends des. Mais ça, avant un mois, à 6 heures, moi, mon équipe, mon compte, compte un comptable, il fait aller pour moi, ça, ou paye tant taxes. Mon compagnon, il grandit. Ça dit, mon âge, moi, ou frais ici pour grandir. À la longue, il faut trouver un seul comptable pas pour assez, pour monter là. Tant que mon compagnon vient plus grand, un seul comptable pas pour assez, bizarre, quitte-le avec un tel, de tel compagnie pour je te faire sa compte là. Là, nous payons compte le chiffre. Chef Ressir, jour qu'il pas pour compte 10 mounes ça. Mais pour compte combien de bonnes actions mon faire. Ça qu'a compte ça. Combien de bonnes actions mon faire. Comment compte ça? Combien de péchés mon faire. Comment pour compte ça? Parce que quand nous peut dire combien de bonnes actions mon faire, nous prenons à l'exemple, sa personne qui finit faire oiseau sur la case, il fait un pas pour un pas, en même temps il peut mazine Allah, en même temps il peut faire zikrullah, il peut rentrer dans mazine, il peut faire bismillah, sans compter qu'avant il quitte la case, il dit, n'a pas oublié faire namaz, l'osimel il avance, il quitte chocu. Tout ça, mais qui peut raconter ça? Nous pouvons raconter nous-mêmes nous? Nous-mêmes nous, est-ce qu'il nous a pas compte nous une bonne action? L'autre côté ici, chers frères et sœurs, un péché, un dimoun. Péché en dimoun, désobéissance en dimoun. Est-ce qu'il est capable de compter ça? Nous avons dit qu'il y a une cause menti. Nous ne pouvons trouver comment une cause menti. Il est possible que ce mensonge-là commence à faner de la société qui est en dimoun à l'être. Il y a une domination, la cause de ça menti qui m'a causé là moi. La cause de ce menti qui m'a causé et en dimoun capable d'avoir un problème plus que ça encore. Moi, je trouve une cause de ce menti. Mais conséquence que ça menti, là, il a mené. Ça va vous venir à mon compte? Définitivement, ça va vous venir à mon compte. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire « Ma yuqtalu nafsun bi zulm » Il n'y a aucun crime qui passe l'eau sur la terre là « Illa kana ibni Adam al-awwal kiflum min damiha » Excepté le premier garçon Adam alayhi salam et d'un parti là-dedans. Il n'y a aucun crime qui passe l'eau sur la terre là. Excepté le premier garçon Adam alayhi salam. Vous connaissez l'époque que nous avons causé là?
On est qu'il est époque nous peut causer. La premier garçon Adam alayhi salam, crime qui peut passer en 2013 dans Maurice, dans Salomon là, premier garçon Adam alayhi salam, il n'est pas là-dedans. Il annahu awwala man sanna al-qat parce qu'il est même premier qui ne fait crime. Si sa action là, il y a combien de conséquences. Ben moi combien mon capable venir faire qui a la protège nous avec ça chez frère sœur qui dit mon il prend mauvais exemple au moins, ben dit mon qu'on peut faire ça. Mais est-ce qu'il me raconte combien de mauvaises actions moi là? Mais al-hasib capable faire seulement. Al-hasib capable faire li. Et quand nous peut dire li capable faire li chez frère sœur, get bien qu'il précise là-dedans. Fala tous la munafsun chey, pena en nafs qui pour gagner tout. Veut dire ça qui nous gagne vraiment ça même nous. Ça même nous mériter. Mais quand tu es hasib ça? Qui quand tu es hasib ça robe là? Est-ce qu'il y en a qui de bonne action qui peut vous compter ça jour là? Est-ce qu'il y en a de bonne action qui personne ne connaît mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qui ne peut pas vous être compté ça jour là? Mais aucun de nos chers frères. De là, nous trouvons al-hasib, c'est toi ou Allah. Parce qu'il n'y a personne capable de compter une bonne action en djimoun. Et comme ça même, quand nous continuons à ayat là, nous trouvons, il dit, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, même si livin en lagrain atom en lagrain moutod nous pour amen li en lagrain moutod tale qu'on rode la cousine rode en lagrain moutod sa grosse là Allah subhanahu wa ta'ala min ni jour qiyama et get pour qui détermine ayat la li dire wa kafa bina hasibin, et nous suffit pour faire jugement avec lui, nous suffit pour compte tout ça là get Allah subhanahu wa ta'ala termine sa ayat la chef frère. Qui lui fait dire nous même ça la crème ou tord là il faut amener et connaît il va faire aucun du tout quand il peut amener ça et il termine pas et Allah suffit pour faire ban compte. Nous continuons chers frères et sœurs pareil comme ça même de sur la Kahf quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa udira al kitab fa tara al mujrimina mushfiqin mimma fi, quand pour mettre livre là ban mujrim pour dire je peux étonner ça qui dans ce livre là wa yaquluna ya waylatana ma di hadha al kitab. Je vous dis qui a le livre ça. La yuradiru sarirata wala kabira illa ahsaha. L'Ipan ne quitte aucun petit, aucun grand, excepté qu'il n'y ait écrit dans le livre. Ça livre là, chers frères et sœurs, pas parce que personne ce livre là, parce que mon livre, pour moi. Chacun parmi nous prend le pour nous là, nous livre. Nous avons croyance dans ce livre là, oui non. Chers frères et sœurs, ça livre là, peine à petit qui nous fait de nous la vie scalas qui nous arrive à aujourd'hui. Peine à grand qui nous fait de nous la vie scalas qui nous arrive à aujourd'hui. Il l'a ahsaha. Excepté l'inécrit à lui. Mais qui quitte chose dans mon vie, mon désaffaire qui peine dans mon livre. Cause avec moi-même. Qui quitte chose mon désaffaire dans mon vie qui peine dans sa livre. Sa robe là, il finit mettre un livre comme ça parce qu'il quand il pour faire moi rendre compte, il pour faire moi rendre compte, il pour compte tout qu'il soit bon ou bien mauvais. Est-ce qu'il m'avait connu que ça al-hasib, chers frères et sœurs? Al-hasib, c'est histoire, oh Allah. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, en quelqu'un pose question, mais au fait quand nous guette le compte c'était Jimoun qui est là, quand nous guette le compte c'était Jimoun qui est là. Et dit moun, ok, nous avons pas causé li, nous avons expliqué li, nous avons posé une question. Mais vous connaissez le salé moun, vous connaissez combien dit moun vini? Nous avons cause pour Astel en 2013, hein? Nous avons cause prendre depuis Adam alayhi salam, pour venir jusqu'à sa dernière dit moun qui n'a l'eau la terre là. Tout ça là vous rendre compte? Mais quand ça dit moun n'a pas dit li, nous dit comme ça, Allah subhanahu wa ta'a dit nous, dans surah Luqman, ma khalqukum, wa la ba'thukum, illa ka nafsim, wahida. Quoi j'en sais le dit moun ça? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient créer tout ça insana, oui non? Pour faire tout insana relevé. Chers frères et sœurs, quand nous pédier créer, Allah subhanahu wa ta'ala est en nous guetter, et nous pémons, là, il peut prendre naissance, dans la case, il peut prendre naissance. Veut dire, il va y aller dans le monde, là, peut prendre naissance, là. Mais seulement al-barth, quand vous lever. Pas pour lever d'après là, ça. Pas pour lever d'après combien de temps il gagne, ton mot, ça. Comment vous lever? Tout lève ensemble. Prends-le bien. Faudrait pas nous penser à l'bar. Veut dire quand nous sautons la terre pour nous revenir vivants chez frères et sœurs, c'est pas basant. Oui, toi tu es mort depuis l'époque d'Adam alayhi salam, tu besoin d'aller avant. Ensuite, vient une bande qui est mort dans l'époque Nuh alayhi salam. C'est pas comme ça. Comment souffler de tromper tout lever. Quand tout lever là, tout là, c'est qui ça n'a. Prends depuis Adam alayhi salam jusqu'à dernier du monde. Mais tout ça là qu'on peut lever. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, comment qui était? Kanafsi wahida. Quoi j'en sais le du monde peut lever.
Ou bien une seule du monde peut lever. Yalla, mais qui capacité tu as? Qui capacité tu as? Chers frères, mais s'il peut lever, nous comment dire une seule du monde? Mais quand nous venons pour rendre compte, comment dire qui était à l'os? Comment dire une seule du monde? Comment dire une seule du monde? Mais quand nous venons une seule du monde pour nous poser question, un jour qu'yama, qu'il est temps incoupé, qui capte pas fait nous passer au lit là? Si de nous un enfant, j'ai dit qu'on m'a posé toute question qui est là. Grammaire 8 heures, tu as tout très mauvais ses lits. On va arriver à un moment où on a dit, mon fils, il y a tout. Qui est-ce que vous posez à ce dire? Ça, nous, insane. Nous devons trouver une pose toute question. Mais sa robe-là, comment dire, un seul du monde, il y en a pour faire un compte là. Nous tous devant lui, pour lui, comment dire, un seul du monde. C'est pour ça, chers frères et sœurs, quand il dit à nous de sur l'an'am, que Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع plus vite حاسبين حاسبين veut dire celui qui prend compte il compte toute bonne action il est plus vite qu'il y en a il est même plus vite qu'il y en a le possible il y en a celui qui a iman quand passe l'eau sa ayat là il dit mais Allah va faire un compte vite à l'eau il dit ti maman parce qu'il pour lui comment dire une seule du monde. Comment dire qu'un neuf sur Wahid à la cause, ça pour lui vite. Mais pour nous, il y a un moment d'attente, il y a un moment transpiré, il y a un moment gagné tracas, il y a un moment sauvé, il y a un moment fait comment dire pas de trouver maman, papa, il y a un moment fait comment dire pas de trouver enfant. Ça là pour nous passer là. Dans sa neuf sur Wahid à la comment dire une seule du monde, pour nous, dit comme ça, cher frère. Pour nous, c'est de sa façon là qu'il est passé. Donc, cher frère, c'est Al-Hasib. C'est quand un celui qui a iman, il finit connaît qui au fait Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour moi. Depuis sa trois lettres là même nous gagnons le nom Al-Hasib. C'est celui qui a iman, il connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala si tout bonne créature il connaît notre nombre. Quand nous veut dire créature, il est capable n'importe quoi de ça la terre là. Allah connaît combien il y en a comme ça. Si ça robe là comme ça, assez imagine nous dit monde combien il connaît. Aste imagine nous ben nous ban action. C'est pour ça Al-Hasib chef frère sœur Allah subhanahu wa ta'ala fin amen sa nous hasibina quand il peut cause concernant jour qiyama quand sa personne là liena pour rendre compte le soban bon ou mauvaise action. Chef frère sœur nous vient dans nous leçon pour aujourd'hui. Dénon Allah subhanahu wa ta'ala parmi ban nom qui au fait le premier coup, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comme ça. Quand nous peut dire le premier coup, veut dire le début de la création. Iqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Ensuite, le troisième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Iqra wa rabbukal akram. Al akram. C'est un parmi les noms Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ça, nous la même. Mais dire le trois mêmes lettres, nous gagnons nous Al-Karim. Al-Karim. Chers frères et sœurs, comme on a habitué de dire, dire premier, l'effet qui s'avine le haut, celui qui n'a iman, c'est de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Akram et Al-Karim. Qu'est-ce que c'est la signification ça? Quand nous gagnons des noms là devant nous, comme on a habitué de faire, dire nous tient Aliflam. Nous tiens ban lettre faible qui est là, veut dire de Akram, nous tiens ce premier alif, de Karim, nous tiens troisième lettre, veut dire ce yé, résiste trois lettres avec nous, Karama. Kaf, Ré avec Mim. Kaf, Ré avec Mim, chers frères et sœurs, c'est trois lettres arabes. Quand nous mettons ensemble, dans le langage arabe, notre signification N, vine en celui qui est généreux. Vine en celui qui est généreux. Mais là, attention. Oui, capable nous dans nos contextes quand nous servis la générosité, nous en attendant servilis jusqu'à ce qu'un compte d'une casse. Ça marche à la soleil qui est la mer, qui fait tout ça qui causait qu'on se casse. Mais il est possible, un dimon, cher frère, seul, il générait comment? Peine un lait qui te dit manier un service, il n'est pas venir en toi. Ça nous va pour dire générer ça. Moi, je pour lever, moi, je pour nettoyer la cour, moi, j'ai besoin de dimon pour donner un coup de main. Moi, je pour déplacer une question, j'ai besoin de dimon pour donner un coup de main. Ça dit, nous ne pouvons pas appeler généreux, nous. Ça donne nous contexte. Nous avons trouvé, au fait, c'est ce port de générosité qui vient de nous coudre. Nous générer, qui attaché nous. Tant qu'il donne casse, il est généreux. Zouk, il arrête de donner casse, il n'est plus généreux. Couple, chef frère. Au fait, généreux, ce n'est pas juste qu'il donne casse. Mais ce qui est avec nous ici, c'est Karoma, Kafre, avec Mim.
trois lettres arabes. Quand nous méditons ensemble sur la signification, vin, généreux. Trois lettres arabes. Quand nous méditons ensemble, chers frères et sœurs, les vins ont quelque chose qui a grande valeur. Veut dire quelque chose qui vraiment, comme au Begetli, moi attaché avec lui, il y a une grande valeur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître sur la 27, sur la Naml, ayat 29, c'est quand Suleyman alayhi salam, tu envoies l'aide vers Balkis. Quand Suleyman alayhi salam, tu envoies l'aide vers Balkis, Balkis qui dit, Qalat, ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya, kitabun karim. L'idée, oh, mouban, veut dire, ban qui proche avec lui, certainement, mon fin gagne. Fin être envoyé vers moi, kitabun, un quelque chose qui fin être écrit, karim, un noble, un quelque chose qui a grand valeur. C'est quoi? C'est une lettre depuis Suleyman alayhi salam. Mais qui mot lui fin servi ici? C'est le mot karim. En d'autres mots, le mot karama, chers frères et sœurs, lui veut dire qu'un quelque chose est et n'a grand valeur, un quelque chose est noble. Et pareil comme ça, même troisième, c'est la bonté. C'est la bonté. Veut dire un quelqu'un qui peut agir bien avec un autre. Il ne bien dire, il ne bien agir avec lui, il ne peut pas faire lui souffrir, il ne peut pas blesser lui, il ne peut pas faire lui aucun du tout. Sa qualité qui finit dans sa personne, quand il finit agir de sa façon là, c'est qu'il y a karama dans lui. Qui y a? Il y a sa trois lettres là, veut dire qu'il y a la bonté dans lui de sa façon agir. Chers frères et sœurs, ça qu'on nous fait dire dans le langage arabe. Mais en premier, nous dit bien, pour un celui qui est dans l'Iman, et ça même l'introduction nous finit d'y aller, nous pas venir nous dire comme ça, parmi nous Allah c'est ça, ensuite nous restons tranquilles. Non, ça c'est parmi nous Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il lit Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne trois fois de Coran qui lit pour ça nous là. Lit Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître trois places de Coran, qui lit et le nom Al-Karim, par exemple dans Surah Mu'minun, quand il dit « Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq » La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Li Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik al-Haq. Le vrai. Pena aucun ilah excepté li Rabbu al-Arsh al-Karim. C'est li Allah subhanahu wa ta'ala Karim par retourne l'eau al-Arsh, mais li retourne, chers frères et sœurs, l'eau, c'est lui qui possède al-Arsh. L'eau ça, Rabla. Al-Rab al-Karim. Rabbul Karim. Karim li paritun lo al-Arsh. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est première place qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Parmi ce banon, c'est Al-Karim. Et pareil comme ça même de Surah Naml, ayat 40. Oui, ayat là, il est long. Mais seulement quand nous guettons ça qui est avec nous, c'est la fin ayat là. La fin ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi. Celui qui remercie Allah, certainement, il peut remercier pour lui-même. Wa man kafara fa inna rabbi. Ghaniyun karim. Et celui qui kafara veut dire pas kouf ici, celui qui rejette lui, veut dire il pas reconnaître faveur Allah. En d'autres mots, il pas pour remercier Allah, fa inna rabbi, certainement mon rob, li ghani, li riche et li karim. Ça c'est deuxième place de Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Li na sa nom là et troisième et dernière place chers frères et sœurs, c'est dans sourate qui alhamdoulillah la majorité nous mémorisons, c'est surah Infitar, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi, insan, qui quitte chose, inviez-toi contre ton rab qui karim. Ma gharraka bi rabbikal karim, qui quitte chose, inviez-toi contre ton rab qui karim. Ça, c'est trois places, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Ça, c'est ce nom. Al-Akram. Al-Akram, chers frères et sœurs, si juste nous le guettons le nombre qu'il est mentionné, alhamdulillah, nous finissons connaître qui place y était. Al-Akram, un seul fois Allah mentionné dans le Coran. Oh donc, si nous connaissons un seul fois, nous finissons connaître qui dans le surah Alaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ikra wa rabbukal akram. C'est juste sa place là, qui Allah subhanahu wa ta'ala finit servi le nom, Al-Akram. Chers frères et sœurs, Al-Karim, Al-Akram. Les deux ensemble, cette signification pour retourner la générosité. Les deux ensemble, karama, pour retourner vers un kiken, qui finit une grande valeur. Chers frères et sœurs, mais avant nous rendre l'eau en tant un nom Allah subhanahu wa ta'ala de cette signification. Nous venons avec Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar,
Dans le langage arabe, nous finissons à ce qu'on appelle ismu tafdil, superlatif, veut dire une supériorité, le ban les autres. Kabir veut dire grand. Akbar veut dire plus grand. Et ça, alhamdoulilah, des trois fois nous passons, sans compter que ban frère, c'est qui vient prendre les sons arabes, ça c'est ban règlement qui nous marzine bien. Arzom, ravim veut dire grand, arzom veut dire plus grand. Pareil comme quand nous lit, alayhi sallahu bi ahkamul hakimin, ou bien la qad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim, tout ban mot qui vient là, ça. Wazan la losa poala nous connaît ena en comparaison avec ban les autres veut dire liliplis de sa qualité là. Karim veut dire généreux si nous prend li au commencement. Akram veut dire li pour plus fort que Karim. Mais pour nous prendre bien chers frères et sœurs sa signification en tant que nous Allah subhanahu wa ta'ala quand nous get ban savant expliquer zut amine une troisième explication qui veut dire al-aziz qui fait parce qu'il sous la force se grandir, se l'honneur qui est là, c'est ça qui fait l'ivine générer envers ce bonne créature, pareil comme Imam al-Qurtubi lui dit. Imam al-Qurtubi, rahimahullah, lui dit, après avoir qu'il fin fait nous connaître qui al-Karim, c'est la générosité, c'est le pardonner. Pardon. Comment il traduit ça non là? Il dit nous pardonner. Donc, il pose question, mais Karim, tout le temps, nous prend là-bas. Oui, chers frères et sœurs. Mais seulement quand nous prenons, dans qui sens ça, savant là, fin de dire ça, nous pouvons le connaître quand il peut dire pardonner ici à qui il peut référer. Il contient, il dit l'honorable, veut dire Al-Aziz, il dit les trois servis pour nous, Allah. Veut dire quand nous servis le nom Karim, nous sommes capables d'expliquer qu'Allah est généreux. Nous sommes capables d'expliquer qu'Allah est pardonné. Pour le nom Karim. Nous capables d'expliquer qui Allah est Al-Aziz, il est dans la force, l'honorable, c'est lui-même qui plus haut qui est là. Il contient et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, qu'il lui donne tout ça du bien et lui pardonne pour lui continuer de se faire aux autres serviteurs. Au fait, qu'il dit à nous de sa phrase-là, pour un moment, chers frères et sœurs, prends-le bien. Être sincère envers nous. Combien de choses Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi? Ensuite, mon service pour désobéir à lui. Mon courage, qu'est-ce qui donne mon courage? Mon intelligence, qu'est-ce qui donne mon intelligence? Mon l'étang, qu'est-ce qui donne mon l'étang? La fin du mois, mon gain casse, qu'est-ce qui donne mon tout cela? L'étang, mon ramasse tout cela, chers frères et sœurs, comme on peut faire un péché. Mon prend tout ça, mon quelque chose qui Allah fin de moi, pour moi désobéir à lui. Mais malgré ça, est-ce qu'il l'autre moi me trouve moi tombe malade un mois moi pas travail du tout ou bien il continue de moi la santé. En d'autres mots, ça robe là qui fait. Même il trouve insana puis désobéir à lui, il pardonne fait moi dire il pas peut trouver lui. Il continue de ni ça ban quelque chose qui lui bizin. Il continue de ni ban quelque chose qui lui bizin. Combien a comme ça chez frère? Combien il a comme ça qui sa servité là, il peut désobéir à Allah. Mais seulement sa robe là, pour générosité qui est là, les conti aide lui, les conti donne lui faveur, les conti facilite lui. Ça c'est Al-Karim. Ça c'est Al-Karim. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, ben savant continue de dire, quand nous peut dire Al-Karim, c'est un kiken qui donnait, ensuite il flatte du monde là, l'eau là. Oui. Si nous guettons ayat Quran qui trouve dans Surah Hujrat, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à la fin, parce qu'au commencement là, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause le ban insan, lui dire à la fin, Ulaika humur rashidun. Ulaika humur rashidun. Qui veut dire Ulaika humur rashidun? Quand nous guettons sa ban qui finit bien guidé là, Rashid, un qui finit bien guidé, Allah subhanahu wa ta'ala avant ça, lui dire, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaykum l'iman wa zayyanahu fi qulubikum. C'est Allah qui est content de na iman. Li fin embellir ça dans autre l'équipe. Allah subhanahu wa ta'ala pas content de tomber dans couf. Pour que ça n'a pas dit ça là. Pour nous là. Pour nous là. Allah donne nous iman. Allah embellir ça dans nous l'équipe. Allah subhanahu wa ta'ala pas content de tomber dans couf. Veut dire il protège nous avec ça. Ensuite qu'il dit, get ça va bien guider là. Allah subhanahu wa ta'ala flatte nous là. Il donne nous. Ensuite, qu'il fait? Il flatte nous. Chef frère, c'est bien sa robe là qui peut faire avec nous. Il donne nous. Ensuite, il ne pas réproche nous. Mais seulement qu'il fait?
Oula ika humur roshidun. Ça c'est Bankin qui a la réussite ça. Ça c'est Bankin bien guidé. Oh Allah, mais comment moi tu peux bien guider si toi tu es parti de moi? Il pas reproche nous l'eau ça qu'il est de nous, mais il frappe nous l'eau quelque chose qu'il est fin de nous. Get que li contient li dire fadlan min Allah wa ni'ma. Ça c'est faveur Allah l'eau toi ça. Allah continue dit ça Allah veut donner ta faveur. Tu es bien guidé toi Allah continue donne ta faveur. Subhanallah. Oh Allah, mais tu même donne moi ça. Pas moi qui n'a le droit de ça, imam. Moi, tu es capable de me faire. Tu choisis moi pour un imam. Tu embellis ça dans mon lekir. Tu protèges moi contre couf. Et tu dis, mon bien guidé. Voilà, vous méritez tout ça là. Et il continue qu'il dit, Fadlam min Allah, wa ni'ma. Il dit, quelle est ta faveur là, l'autre? Lui-même peut donner nous et lui-même peut dire nous, peut dire nous tout. Chers frères et sœurs, une personne ni malade. Une personne ni malade, il reste 18 ans là où il lit. Vous avez 18 ans, Lolili. Moi, si docteur, légèrement, comme ça, on connaît là, puis un docteur, un spécialiste, demain midi, là. Je me dis, je vais signer, demain, je vais revenir. Pas de dormir, Lolili, l'hôpital, non, je vais signer, demain, je vais venir. Qui fait? Parce qu'il donne une sens, ça. Pour rester, l'eau, une place qui appelle lui, tu as un dimoun malade, ça n'est pas content. Ça n'est pas content. Imaginez-nous, une personne reste Lolili pour dire un dimoun malade pendant 18 ans. Ça dit, moun là, nous amenons par le nom Ayoub alayhi salam. Nous amenons par le nom Ayoub alayhi salam. Sa personne, chers frères et sœurs, ça a 18 ans qu'il est là, il est là, qu'il est pour besoin d'un premier. La patience. La patience, quand nous gagnons ça. Ce n'est pas Allah qui donne nous ça. 18 ans, nous caressons le lili, nous perdons la patience, oui non. Mais si nous trouvons une personne, une tini 18 ans, le lili, même il y a un prophète, qui c'est là qui donne nous ça? Ces histoires, Allah. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a décrit ali. Allah subhanahu wa ta'ala, get au milieu ayat, là, il dit, Inna wajadnahu sabira. Nous trouvons quelqu'un qui n'a pas chance. Niam al-habd. Ça, c'est un bon serviteur, ça. Allah donne-lui pas chance. Allah flatte l'île, là. Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui pas chance. Pour qu'il 18 ans, il reste là, il ne pas bouger. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Niam al-habd. Qui a été bon serviteur, ça? Ni'ma, favir. Béni dans nous guetter, chers frères, c'est ça qui nous donne sa patience là. Ces histoires, Wallah. Wallah, de ta générosité qui tu es là, te donne nous. Ensuite, qu'il fait avec nous, chers frères, il flatte nous là. Il flatte nous. Ça, c'est Al-Karim. Ça, c'est Al-Karim. À partir de là, chers frères, c'est l'effet que ça fait le nous iman. Pour un seul qui est iman, quand nous ne connaissons pas, ben nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Karim. Parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, al-akram, nous dit bien qu'on ne peut l'expliquer, nous compte reste le nom al-karim qui fait, parce qu'al-akram n'est plus faux que ça. À travers ban ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une finicité de Coran, chers frères et sœurs, pour nous-mêmes, alhamdulillah, nous pouvons déduire, nous pouvons comprendre que Pédjanou nous robe, c'est al-akram, c'est quoi? Chers frères et sœurs, si Djanou comme ça, combien de choses il y a dans la terre? Définition, on ne peut pas arriver le nom. Non, nous cause pour une sana l'os. Nous causons pour insan. Combien insan reste de l'obéissance à Allah? Nous prenons d'une autre façon. Combien peut désobéir à Allah? Nous prenons ça pour ça, là. Grammaire est autorisée dans le shirk. C'est moi une créature Allah, oui non? Prenez bien. Lili dans le shirk, mais devant Allah, lui quoi? C'est une créature Allah, ta'ala. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Quand nous pédions Al-Karim, le généreux, Allah subhanahu wa ta'ala de surah Hijr il dit wa in min shay'in illa 'indana khaza'inu pena en kit chose excepté qu'il nous en khaza'in qui veut dire khaza'in khazina un trésor Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque créature qui est là pour chaque insan qui est là chers frères et sœurs Allah subhanahu wa ta'ala infini god nous stock demande kit chose qui fait nous compte l'eau salaté là ça l'ing god pour lui. Salinga odeli vous donne nous ça. Wa manu nazilhu illa bi qadarin ma'lum. Nous vous descendons ni. Veut dire nous vous descendons sur un moment contentement. Nous vous descendons sur la réussite. Allah vous donne ni. Allah vous donne ni. Nous imaginons nous ça dit mon là leader désobéissance à Allah 24/7. Mais seulement sa robe là qui dit wa in min shay'in illa 'indana khaza'inu. Et puis n'a aucun qui chose l'eau salaté là excepté qui Allah fin God ce trésor. Ce khazina. Ce khazain, Allah en gardé. Veut dire qu'on peut arriver au moment pour donner, Allah donne. Ou Allah, lui peut désobéir, toi, tu peux garder trésor pour lui. Mais il ne peut pas désobéir, toi, alors. Get Al-Karim, c'est qui ça? Al-Karim, ce n'est pas un qui faut
comment pour insan, faudrait lui écouter moi. Faudrait veut dire lui faire quelque chose qui me content. À ce moment-là quand il vient demander moi une petite aide, oui, moi pour aider toi. Ça non, ça insan ça. Mais Al-Karim non. Al-Karim toute créature c'est sa créature. Donc quand il y en a pour donner, il vous donne sa bonne créature. Ensuite, celui qui désobéissant, sa bonne péché, ça c'est une autre chose. Chers frères et sœurs, pense aux générosités. Pense aux générosités. Nous, insan, quand nous peut dire, algué t'es un tel, ça, c'est lui qui est l'ami, ça. Moi, allez, moi, tape sur la peau, bah, ben, vous connaissez ça. Vous connaissez, moi, qu'est-ce que demain, vous donnez donne une réponse. Effectivement, demain, il donne-moi seulement. Je te dis bien dire, c'est lui qui est l'ami. Oui, mais seulement quand il donne-toi ça. Lendemain. Ce n'est que lendemain qu'il nous donne moi ça. Mais seulement, chers frères et sœurs, quand nous peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Karim. Get ce Karim qui était lui. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Comme vous serviteur demande toi concernant moi, me prie avec lui pour répondre comment il donne moi. Get ce générosité qui était lui. Ce générosité, comment dire, ça qui nous dit en créole, il attend devant la porte. Comment te demander, il donne toi. Subhanallah. Il vous donne, les chers frères. Mais seulement, il peut attendre qui était. Il attend, nous vient demander. Il pas attendre, délai. Bon, jusqu'à demain, moi, vous donne toi. Ça, non. Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Karim. Al-Karim, c'est lui-même qui dit à nous. Il peut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme au serviteur, demande toi concernant moi. Fais-le connaître, fa'inni qarib. Certainement, moi, prie avec lui. Oudi bouda watad dar iza daran mo pri avec lui comment il demander mo donner comment il demander mo donner mo donner mais quand tu es généreux ça qui quand tu es générosité ha li pas attendre quand vienne demander ensuite li dire comme j'ai fait une enquête pour donner droit non ça une sans ce principe travail ça mais Allah subhanahu wa ta'ala qui peut attendre chez frère sœur il attend ça de la mila levé li peut attendre ça de la mila levé afin qu'il lui donne ce créature ça qui lui besoin. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala chef frère quand il donnait get le deuxième la ligne à droite Allah subhanahu wa ta'ala dit walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Mais seulement lui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce faveur ça qui lui voulait. Ça qui lui voulait. Ça c'est Allah. Lui donne ça qui lui voulait chef frère. Ça c'est Al-Karim. Ça c'est Al-Karim. Li attend quand sa serviteur là lève la main pour lui donner. Nous continuons, chers frères et sœurs, des poches de générosité. Veut dire quand nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Karim. Quand nous peut dire li peut attendre nous juste lève la main, get parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, prends-les bien. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala حي كريم يستحي من عباده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. C'est notre Rab li honte, li généreux, pour retourne ce serviteur qui fin lève la main pour demander, pour retourne sa vide. Allah li honte pour faire ça. Chers frères et sœurs, prends-li moi-même papa, moi-même maman. Mes enfants, ils demandent moi-même quelque chose. La cause d'une fait un mauvais, moi j'ai dit non, pas pour donne-toi. Mais ça, moi j'ai dit, ce qu'il y a, moi, donne-y, on donne-moi. Mais seulement quand on arrive jusqu'à t'aller là, il a fini de ouvrir mon panneau récit de nuit. Quoi mon sentiment? Et quand on rentre la case, quand il était mon ami, il a fini de ouvrir à se dire. Quoi mon sentiment, mon papa, moi? Chers frères et sœurs, ça ressentiment qui m'a là, ça papa envers enfant. Ici, pédia nous, Al-Karim envers ce créature. Quand nous lève ça la main là, nous demandons, il gagne des millions de fois plus que sa papa là, il gagne. Quand nous baisse ça la main là, il retourne ça la main là vide. Mais qui est vraiment une prêt pour donner nous ça Karim là? Nous devons connaître Karim, c'est qui ça, notre cher frère? Il est honte. Et au fait, il n'a aucune obligation pour donner nous rien. Mais seulement, il est honte pour lui retourner sa créature là. Il connaît, il a 10 mois. Et 6 mois, je ne vais pas donner, mais qui s'en a pour donner? Le temps, ça l'a mis là, mais s'il n'a pas donné nous ça, sa robe là, honte, cher frère. Sa robe là, c'est qui s'en a? C'est Al-Karim, ça. C'est Al-Karim. C'est ça qu'on nous peut dire. Ikra wa rabbukal akram. Là, nous peut expliquer, c'est Al-Karim à chaque fois. Astema zinou, pour missionner, c'est quoi? Al-Akram, le plus généreux que ça. Voilà, mais qui te dit à l'os? Wallah, mais qui qualité est-ce dans toi? Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous dire, dépose générosité. Veut dire qu'on nous peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il générait Al-Karim.
Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 25, surah Furqan, ayat 70. Mais là, avant nous guette ayat là, réfléchis-le des années de désobéissance. Ndjimoun, jusqu'à 50 ans, il désobéit à Allah. À partir de ce jour-là, vraiment un regret, il prend dans lui. Sincèrement, il lève la main, il demande à Allah pardon. Et il prend une décision ferme, il ne pas pour refaire ça. Ça dit mon là, le moment qu'il fait ça, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala jali, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala change tout ce ban sayyiat, fait tout bin hasanat. Sa 30 ans, 40 ans désobéissance qu'il fait là, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui 30 ans, 40 ans de bonne action. Qu'est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qu'on va faire ça, chers frères? 30 ans, 40 ans, ça dit moun là, il bien amusé. Mais seulement ça regret là, vraiment, une prend de soleil qui est, les temps de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala fait que moi dis 30 ans, 40 ans, il reste de l'obéissance à Allah. Subhanallah. Get générosité, sa robe là. Péché, il fait une bonne action. Mais qui nous besoin plus que ça? C'est ça Al-Karim, chers frères. C'est ça Al-Karim, chers sœurs. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Get sa qualité qui sa robe là et n'a dans l'île. L'ipiatan quand sa créature là reconnaît vraiment moi n'a une robe qui al-akram. Moi tu parles qu'on valait mon créateur c'est qui ça là. Nous continuons chers frères et sœurs pour nous dire des poches de générosité veut dire li Allah subhanahu wa ta'ala sa qualité, sa karim qui y est dans l'île là. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Un long hadith. En fait quand nous guette l'île là. Mais seulement c'est un hadith qui amène nous à réfléchir beaucoup. Oui, si nous mettons cette traduction vite, ne vous liez pas. Mais prends-le comme suite, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mokon dernier dimoun qui vous saute dans l'enfer pour rentrer dans la Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire amène-le jour qiyama. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour dire enlève ce ban gros péché. Amen, dis ce ban petit là. Mets-le dans le tribunal d'Allah. Il enlève quoi? Ce ban gros péché. Puis amen, dis quoi? Dis ce ban petit péché. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour dire lui, tu ne fais tel qui chose tel jour, tu ne fais tel qui chose tel jour, tu ne fais tel qui chose tel jour, ça dit mon âme pour dire oui, oui, mon fait ça. Est-ce qu'elle est trouvée, il ne va pas nier non rien. Parce qu'elle avait mis tout devant moi. Chef frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit li, pour chaque péché qui te fin faire, je vais remplacer ça par une bonne action. Pour chaque péché qui te fait, le Créateur suprême dit li comme ça, je vais remplacer ça par une bonne action. Ça dit mon là, chers frères et sœurs, il y a une petite chose qui peut fatiguer seulement. Mais c'est moi qu'on a habité dit li, chers frères et sœurs, sorry. Nous ne pouvons pas dire ça, excepté pour nous essayer de culpabiliser nous afin qu'il nous fasse des efforts pour nous connaître. Ban mot qui le prophète nous servit de hadith là, les plus jolis pour nous comprendre qui en créole. Franchement, ban mot qui sa prophète là, nous servit de sa hadith là, parce que c'est ban mot qui joue le sentiment en dimon. Imagine nous jour qu'Yama nous peut causer là, puis n'a fait appel private council non y là, parce qu'il est tout seul tout là, qui te va voir private council toi. Dans ce moment là, sa personne là l'étant ligueté, les trouve ban petit mauvaise action, tu une bonne action. Ok, mais il y a une question qui est fatiguée. Il dit, oh Allah, mais il a péché mon fils, moi, je trouvé. Il a péché mon fils, moi, pas trouvé. Chers frères et sœurs, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith là. C'est lui qui peut rapporter ce hadith là, Abu Dharr radiallahu anhu, le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'à rier ça, jusqu'à nous trouver ce gros les dents, ce molose. Veut dire, il riait complètement. Qui est arrivé? Avant ça, dit mon avis de tribunal, Allah finit par donner ce gros péché qu'il fait. Subhanallah. Avant l'ivine de tribunal, sa robe là, il finit par donner ce gros péché qu'il fait. Il amène si ce petit péché là, soit disant faire l'ivine un petit peu, ensuite net faire l'ivine bonne action, ensuite je lui rentre dans Jannah. Chers frères, nous pouvons générosité, Allah c'est quoi? C'est un hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Ça c'est qui ça n'a ça dit mon là? C'est le dernier djimoun qui peut rentrer dans Jannah. Veut dire, lui-même, il fait plus beaucoup péché, lui-même, il fait plus de bonnes actions. Get Allah comment peut agir envers sa qualité djimoun là.
Chers frères et sœurs, mais si un parmi nous peut faire un petit effort, plus qu'il s'agit de nous. Mais qui a été Al-Karim pour agir envers nous? Qui a été Al-Karim pour agir envers nous? Ça, c'est le dernier du monde qui peut rentrer dans Jannah, ça. Dernier, c'est lui qui saute dans l'enfer, il peut rentrer dans Jannah. Chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire l'effet qui s'affaire de nous, iman, quand nous nous connaissons, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les généreux, c'est ce hadith-là. Une fois, une madame passe contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui prend ce petit baba, lui dit, « Ya Rasulallah, Ali hadha hajj ?» Les enfants, il y en a moins qui des ans, là. Hein? « Ya Rasulallah, il y en a hajj pour lui, ça, ces enfants-là. Il y en a hajj ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Naram, walaka ajrun. » Oui, toi, avec lui, tu veux des récompenses. Il y a un grand-père qui est arrivé là. Un enfant, chers frères et sœurs, d'ordine, comme il dit à nous, pas écrire son action, c'est son péché qui pas écrire. Mais ce bonne action qu'il y fait, chers frères et sœurs, sa robe l'a fait écrire pour récompenser ses enfants-là. Ça, c'est Al-Karim. Ses enfants-là, quand ils gardent la moitié rosa, depuis là 5 ans, 6 ans, là 8 ans, ils commencent à garder rosa, même pas qu'on vienne obligatoire le lit. Allah vous récompense pour ça, oui non? Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour ça. Quand sa maman l'a demandé, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a la hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, il y en a. Veut dire, il faut être récompensé, ses enfants-là. Et toi aussi, te bougain récompense. Ses enfants-là qui quittent chose qui n'est pas écrit pour les chefs pressés. Saisissent ban désobéissance, ban péché qu'il n'y pas connu. Mais seulement quand nous trouvons des enfants, puis attendre un courant pour lire. Faudrait pas nous guetter les enfants pour lire le courant. Oui, parce qu'il peut être récompensé, chers frères. Ses enfants-là, quand ils viennent namaz, être récompensé pour ça. Ces enfants-là, quand on ne donne ni casse-poil, donne ça d'accord. Il peut être récompensé pour ça. Chers frères et sœurs, nous pouvons trouver générosité, sa robe-là. Il prend compte 10 bonnes actions, ces enfants-là. Mais ce péché, il peut écrire. Ce péché, il peut écrire. Chers frères et sœurs, si il pas, tu prends compte sa bonne action-là. Jamais tu prends compte. Oui, il y a mes enfants, ça. Qui fait bien récompense lui? Ça, c'est pas Allah. Ça, c'est pas Al-Karim. Al-Karim, tant qu'il possible, il peut montrer nous ce générosité côté. Tant qu'il possible, il expande ça devant nous. Jusqu'à même là, nos enfants. Nous disons bien, chers frères et sœurs, demain, quand nous guettons un enfant, si nous comme ça, ces enfants-là, tu peux faire lui, God, Rosa, Salas, là, il va bien récompense. Je n'ai pas fait non, parce qu'un entraînement, nous peut donner ça. Nous, parents, nous, tu peux accepter quand même pas donner récompense. Parce qu'il nous peut donner un entraînement. Mais ça, c'est principe insan. Mais pas principe Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas principe Al-Karim. Al-Karim, chers frères et sœurs, même tous un enfant. Tu n'as pas qu'on gagne des ans, mais il fait ta fait hajj, attend ton gain, tu gagnes sa récompense là. Et pour nous terminer, chers frères et sœurs, c'est lui qui voulait Allah subhanahu wa ta'ala plus généreux envers lui. C'est quelque chose. Définitivement, nous devons reconnaître qui était ça. Être sûr qu'il nous connaît. Être sûr qu'il nous connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit de Surah Hujrat, Inna akramakum indallahi atqakum akrama. Certainement, c'est lui qui Allah pour akramakum, pour être plus généreux envers lui. Atqakum, c'est un kiken qui n'a plus taqwa. Veut dire, tant qu'un kiken reste de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'une personne y reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, atan ki al akram, pour montrer ça, karama envers lui, pour montrer ça, générosité envers lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.